fous la merde. Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Salut à tous, c'est MonsterRyan74. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Lego Ninjago, le film. Dans un jeu vidéo, on va tester. Je viens de voir que j'avais le jeu, j'ai installé. Je sais pas c'est quoi le gameplay du tout, genre je connais pas le jeu. Genre j'ai juste regardé les options là, avec les touches, j'ai juste changé les touches là parce que c'est. Ça avait l'air bizarre. Et puis là, l'écran aussi, alors ils ont mis un écran bizarre vu que c'est un jeu ancien, j'imagine. Pour de vrai, je sais même pas, il est sorti quand, mais comme la résolution était bizarre. Nouvelle partie. Un vide, confirmé, oui. Je connais pas du tout, je sais pas c'est quoi qu'il faut faire. Tout sauvegarde, maintenant, ok. Bien. Content de te voir, Lloyd. Que se passe-t-il, oncle Wu? Il y a un intrus, mon neveu. De la pire espèce. J'ai besoin de ton aide, mais tu vas devoir t'entraîner aux techniques ancestrales pour affronter et vaincre cet ennemi. Mais de qui s'agit-il, mon oncle? Oh, regarde. Mais il n'y a personne. Là, juste devant toi. Le poulet? Oui, oui. Le règne de Maître Poulet doit prendre fin, Lloyd. Nous seuls pouvons le vaincre. On va se battre contre un poulet? Prologue, ok, prologue. C'est ça, on va se battre contre un poulet. Au moins c'est en français, je savais pas si c'était en français. Du lapin. Ça c'est pour frapper. Ok. Il gagne des pièces. Voilà. Ok. Allez. C'est pour sauter. Ok, on a un double saut. On va encore full bat. La voix du sanglion. La voix du sanglion. Quoi? J'ai rien compris, mais non. Attends, il a dit de faire. Ouais, non. Oh, ça. Le sanglier ruant. Génial. Ça me servira quand je serai en retard en cours. Oh. La voix du sanglier ruant. Maîtrisée. Oh, la voix du papillon volant. J'imagine avec la flèche d'en haut. Espace E. À la base c'était pas espace, c'était J. Genre je vois pour ce je sais pas c'est si J. Je vais réussir à atteindre ces mannequins, mais essayons. Tous éloignés, pas ouais. Le sanglier ruant au sol, ouh. Le papillon volant dans les airs. Tout ce qu'il y a à savoir, pas vrai? On continue. Que je m'habitue aussi. Aussi.
voix du papillon volant maîtrisée. Aïe. Ensuite, la voix du faucon plongeant. C'est quoi ça? La voix du faucon. Espace, espace, E. Si je vois une occasion de vaincre mon adversaire, je dois la saisir, c'est ça? Le faucon plongeant. J'ai même pas touché le gars. Utile pour le combat et pour marquer les deux. Nice. La voix de l'abeille piqueuse. Mon nom, apprends-moi la technique où tes mains deviennent floues. L'abeille piqueuse. Super nom, super technique. Oh ouais, c'est un combo. Waouh. Oh, c'est fraîche. Il y en a un autre. Waouh. Yo, depuis le temps que j'ai ce jeu là sur Steam, j'ai jamais testé. Right. On a... Comment on fait pour le... Durant votre noble voyage, vous recevrez des jetons... des vignorisés de... De quoi? De ninja en échange de vos âges sages et courageux. Choisissez un emblème sur les parchemins convoquez un pouvoir de générosité de ninja. Chaque pouvoir de générosité de ninja accorde une nouvelle capacité. Ok. Et c'est là que je apprends. Dragon des cieux déverrou. La puissance attaque du dragon des cieux. Balancez vos ennemis dans les airs pour déchaîner la rue. Pour déchaîner un déluge d'attaque. De nouvelles capacités de luminosité de ninja sont disponibles. Pour revenir acheter ces nouvelles capacités, après avoir récolté plus de jetons de luminosité de ninja. Yo, ingéniosité de ninja, mon gars, ils auraient pas pu chercher un truc moins long. Quoi, faut prendre? Pas bon déçu. J'en ai plus. La voix du lapin à ça. La voix du sanglier en blanc. La voix du faucon plongeant. Maîtriser la voix du dragon des cieux. C'est quoi? F? Je veux utiliser toutes les techniques ensemble. Laisse-moi essayer. Le dragon des cieux. Après ça, je ne m'en lasserai jamais. Ouais, on va monter en infini là. Attends, je vais prendre des jetons là. C'est même tu as beaucoup progressé, Lloyd. Qu'est-ce qu'il fait le poulet? Et maintenant, c'est l'heure d'affronter de vrais adversaires. Fin. Le poulet? Tu as du mal à gagner. Alors, change d'attaque. Ça c'est Floyd, non? Floyd. Tu as du mal à gagner, alors change d'attaque. C'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure, ça marchait pas. Tu en veux encore? Maître poulet. Battez le maître poulet. Allez.
C'est quoi ça? The Master Chicken a disparu. Vous avez gagné. Le dojo du maître. Ok, en gros c'est des niveaux. Vous avez terminé le dojo, vous avez déverrouillé. Vous avez déverrouillé une brique dorée. Retourner à Ninjago.